Bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, pour cet épisode 6, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous proposer l'histoire d'un livre dont personne ne sait exactement quand il a été écrit, où il a été écrit, qui l'a rédigé et surtout en quelle langue. Alors vous allez me dire que c'est totalement impossible, mais pourtant, cet étrange livre existe bel et bien et il est plus connu sous le nom du manuscrit de Voynich. Alors, commençons par le découvrir ensemble. Tout ce que je peux vous dire devant le peu d'informations que j'ai sur ce manuscrit, c'est que d'après un test au carbone 14 du Vélin qui a été effectué, on peut estimer que sa parution se situera entre 1404 et 1438. Il contiendra environ 234 pages à l'heure actuelle, mais à l'origine il y avait au total 262 pages. Et au départ, elles étaient réparties sur une vingtaine de cahiers. Cette information capitale semble indiquer qu'au moment de l'acquisition du manuscrit par Wilfried M. Voynich en 1912, il y avait certaines parties du livre manquantes à l'appel. Pourtant, et malgré le test au carbone 14 indiquant que ce livre aurait été rédigé au 15e siècle, ce n'est que deux siècles plus tard que fut mentionné le manuscrit. Le plus ancien et le premier propriétaire connu du livre était un alchimiste originaire de Prague, connu sous le nom de Georg Barenitsch. Nous ne savons pas comment est-il rentré en possession de ce livre, mais nous savons qu'il est le premier détenteur du manuscrit grâce à ses correspondances avec un jésuite du collège romain répondant au nom de Anastasius Kircher, très connu pour avoir déchiffré de nombreux hiéroglyphes égyptiens et pour avoir rédigé un dictionnaire copte au XVIIe siècle. Barenitsch était apparemment intéressé de savoir d'où venaient les nombreuses plantes inconnues évoquées dans le manuscrit. Aussi, il aurait envoyé une copie d'une partie du livre à Rome en 1637 et 1639, afin de comprendre et connaître les illustrations de ces mystérieuses plantes. Rien d'étonnant quand on sait que le but d'un alchimiste est d'avoir la connaissance absolue des plantes qu'il utilise pour élaborer ses breuvages et ou potions. Après la mort de Barenitsch, Kircher récupéra le manuscrit grâce au proviseur de l'université Charles de Prague et néanmoins ami Jan Marek Marcy, un grand savant de l'époque car il était officiellement le physicien attitré de l'empereur Ferdinand III. Suivant une correspondance entre les deux hommes et d'après Marcy, le livre aurait été acheté par Rodolphe II du Saint-Empire, avant que ce dernier n'abdique en 1611 pour l'équivalent de 600 thalers. En fait, c'est une ancienne pièce de monnaie du XVe siècle, donc des thalers d'or. Il était d'ailleurs persuadé que le manuscrit était probablement l'œuvre du philosophe, savant et alchimiste anglais Roger Bacon. Suite à cette acquisition et du fait que Anastasius Kircher fasse partie du collège romain, des analyses ont été menées afin de savoir à partir de quand et quelle est la première personne à avoir eu le manuscrit entre ses mains. D'après le collège romain, ce serait Christine de Suède qui aurait été la toute première personne à avoir eu ce livre entre ses mains, notamment après sa chute du pouvoir à Prague en 1648. Elle aurait alors profité d'embarquer avec elle le manuscrit jusqu'à Rome. Puis le cardinal Odecalchi, qui aurait hérité de ce livre, l'aurait confié à la bibliothèque du collège romain. On aurait perdu ensuite sa trace pendant deux siècles, mais il serait resté au collège romain jusqu'à l'invasion des troupes de Victor Emmanuel II d'Italie, de la ville de Rome, afin que ce dernier puisse annexer tous les états pontificaux en 1870. Cependant, le nouveau gouvernement italien, à ce moment-là, voulait se débarrasser de nombreux biens appartenant à l'Église. Avant que cette loi ne soit appliquée, de nombreux livres, dont le mystérieux manuscrit, aurait été transféré vers d'autres bibliothèques des autres facultés. Et le livre serait atterri dans la bibliothèque du supérieur général de la Compagnie de Jésus en 1866. En 1912, le Collège romain décida de vendre dans le plus grand secret de nombreux livres, dont le manuscrit.
C'est Wilfried Wojnicz qui en hérita après avoir acheté une trentaine de livres. Et depuis, nous connaissons ce livre sous le nom de Manuscrit de Wojnicz. Lorsque ce dernier mourut en 1930, c'est sa femme et romancière Ethel Lilian Wojnicz qui en hérita jusqu'à sa mort en 1960. Le livre, à ce moment-là, est confié à une amie proche de la famille nommée Anne Neal. Un an plus tard, Madame Neal vendit le manuscrit de Wojnicz à un marchand de livres anciens du nom de Krauss. Mais comme ce dernier ne parvient pas à trouver un acheteur, il fit don du livre à l'université de Yale en 1969. Voilà pour vous résumer l'étrange parcours historique du manuscrit de Wojnicz. Seulement, ce n'est pas la seule énigme connue de son histoire. En effet, une étude a été menée en 2011 par l'Université américaine d'Arizona afin d'estimer la parution du livre. Greg Hodgins menant alors cette équipe, fit une datation au carbone 14 après avoir récupéré un échantillon du livre. Il en a déduit que ce dernier a été rédigé entre 1404 et 1438. Concernant le texte en lui-même, il est difficile de savoir quels encres ont été utilisées car elles ne contiennent pas assez de carbone pour estimer une datation. Une hypothèse a donc été ainsi avancée sur le fait que l'encre ne pouvait provenir que de la même époque de parution du manuscrit. Maintenant, quand on analyse le texte de plus près, on peut confirmer qu'il a été écrit de gauche à droite, mais d'une manière quelque peu grossière. Les sections les plus longues contiennent des paragraphes avec de temps en temps des bus dans la marge de gauche. Aucun signe de ponctuation n'est présent, le texte en soi contient 170 000 glyphes et la plupart d'entre eux sont écrits avec un ou deux traits. Pour ce qui est de l'alphabet, les expertises nous montrent que certains glyphes sont identiques et on dénombre pas moins d'une douzaine de caractères différents. Ensuite, il semblerait qu'il n'y ait pas eu énormément d'auteurs pour ce seul et unique manuscrit. En effet, selon une étude menée par un cryptographe de l'US Navy dans les années 70, tout porterait à croire qu'il y a eu plusieurs écrivains pour ce livre, notamment du fait que ces derniers utilisaient un langage et une orthographe inconnue, dont ils seraient les seuls à maîtriser. On pourrait évoquer la thèse d'un code très complexe. Pour ce qui est des illustrations, elles ne contiennent malheureusement pas assez d'indications, mais d'après des études sur ces dernières, la plupart d'entre elles sont regroupées sur 6 thèmes qui sont herbier, astronomie, biologie ou balnéothérapie, cosmologie, pharmacologie et une rubrique consacrée à des recettes. Enfin, pour ce qui est de son contenu et son but majeur, certaines personnes ont avancé l'hypothèse qu'il devait servir de référence pour la médecine médiévale. Vous l'aurez compris, plusieurs personnes ont tenté en vain de déchiffrer le manuscrit de Wojnicz sans y être vraiment parvenues. Il demeure encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de notre histoire. Cependant, une analyse récente a été apportée tentant à prouver qu'une personne a réussi à décoder le manuscrit de Wojnicz en affirmant que ce dernier a été écrit dans une langue aztèque perdue. En effet, selon cette personne, qui est un botaniste nommé Arthur Tucker, plusieurs des plantes illustrées dans ce livre seraient originaires d'Amérique centrale, plus précisément au Mexique. Il déclare ainsi que sur les 303 plantes répertoriées dans le manuscrit de Wojnicz, 37 d'entre elles ont très bien pu pousser dans la région entre le 15e et le 16e siècle. Et en partant sur ce principe, il en a déduit que le livre a été écrit en nahuatl. C'est un langage aztèque ancien. La question qu'on peut se poser est la suivante, et c'est ce qui va conclure notre épisode 6 de Chronique Paranormale. Cette personne a-t-elle véritablement déchiffré le manuscrit de Wojnicz en utilisant une autre méthode de travail davantage axée sur l'étude des plantes, ou est-ce là encore un nouvel échec? Quelle que soit la réponse à cette question, ce livre reste encore probablement mystérieux et vous êtes libre de forger votre opinion sur le sujet. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.